que se développer là yo tête ça dit qu'écoutez jeudi qui était 1er août 2019 là gagne chambre députée là dans occasion séance inattendue donc qui était faite eh bien on prend décision là pour organiser finalement cette séance spéciale de mise en accusation du président Jovenel Moïse que député opposition était toujours demandé hein jour mercredi 17 août cap vini là à qui soit pas tant nous ah t'es là franchement et situation ça l'on analyse li ou gen peut-être deux ou trois façons ka wè bagay ça. Premièrement, démarche a fait depuis peut-être il y a 4 mois, 5 mois de ça que demande formellement fait. Ils m'ont déposé dossier au parlement. Tergiversation viron, yo pas jamais rivé mette li nan aucun séance k'ap fait. On peut mettre dans le débat, en discussion pour accepter. Est-ce que c'est une possibilité? Mais c'est fondamentalement son bagage que il pas respecté la Constitution. C'est sur base ça que fait des manches. Bah, l'a développé, il était là. Et puis quand il y a une séance claire, une séance compliquée à l'Assemblée nationale, l'engouement, je ne sais pas quoi, il est arrivé, font un accord, son feuille papier, qui dit que yon pral la prochaine séance à mettre la l'ordre du jour et papier fin signé gagne un coquin yo alors c'est un coquin li parce que li vole les papiers heureusement qu'on a quitté fait photo papier et parce que fait photo papier qui fait que le carte toujours qu'un bill li montrer que le gagne photo sur téléphone ni mais écoute c'est l'ambiance ça que moun yo décider de faire un accord politique et accord politique c'est pas le faire ni bon pour rappeler ça pour le contexte bagaille yo pour ne pas comprendre que li ka un bagaille qui est excessivement sérieux mais qui doit pas sérieux tout. Quand il y a un démarche, ça, président, chambre et député, après l'annoncer que bah, il s'est signé, ce papier volé, pas engagé lui-même. Il n'y a pas de rapport avec ça. Mais après le dénoncer, monsieur lui-même, qu'il sert avec ça pour faire une négociation politique li, avec le pouvoir exécutif là, pour qu'il y ait un ministère besoin, yo, sinon, premier ministre qui a besoin. Yo. En tant que représentant des secteurs d'un pays à Baïsa, donc il doit faire ça. Donc il doit aller aller sac de téléphone ou bien photocopie papier que l'imprimer éventuellement. Il dit président, attention, il y a une mise en garde, on va venir avec les Baïsa. Bon, ça c'est une phase comme ça. Il vient désigner cabinet premier ministre. Cabinet premier ministre, on campé là. Et puis les grands bails dit que si il n'y a pas fait jugement, il n'y a pas porté Baïsa l'autre du jour, pas de séance. Et puis, coup d'éclat, chambre président, chambre député a annoncé le 7 abgon séance de mise en accusation du président de la République. Premièrement, je pensais que, ou comme si, ou j'ai l'impression que ça n'a pas sérieux. Ou j'ai l'impression que son maillot pral vidé. Ou bien qui pral paraître, et puis yo li accusation, yo li, et puis yo dit, pour compte assis debout, et puis yo fin à bail ça. C'est l'impression ça, c'est ça qui me mène qui paraît. Et, Il n'est pas normal que dans le pays, dans la crise que nous avons, je dis, pour nous jouer à un bagage aussi important. On regarde par exemple aux États-Unis, on fait un parallèle. Depuis combien de temps il y a parlé d'un impeachment contre président Trump? Parce que il a expliqué de connivence avec un bagage et la Russie. Mais après, il a décidé, après le rapport que M. Mueller fait, il a décidé que ce n'est pas tellement connivence, mais c'est obstruction à la justice que lié. Et ils sont là qui contre la constitution américaine. Non? Mais nous sommes dans le Parlement, dans la Chambre des représentants, à discuter, à battre, à parler. Et au fur et à mesure, malgré la majorité démocrate, ils montrent que j'aime qu'il y a une majorité dans la CAIPAO qui accepte le principe pour faire un impeachment. Mais quand il y a l'Assemblée au très près, il y a 120 représentants qui signent, qui d'accord, qui reconnaissent que le nécessaire. Quel est le long processus de débat qu'a fait dans la société pour arriver là? Mais on n'a pas l'impression que nous-mêmes dans la société pendant un débat fait sur la question de la mise en accusation du président de la République. Et le président dit lui-même que n'est pas inquiété pour ça. Et le chef du cabinet l'a dit ça. Il n'est pas inquiété son mari qui parle. C'est comme si c'est en banalité, on va le voter des pères d'IEM pour députés. Donc il a fait une séance spéciale pour décider qui Jean-Pierre d'IEM a distribué. Et banalité ça, il n'a pas aidé la démocratie. Hein. Et faut pas font gens que yo fait bagarre ça passer comme si yo dévoyé sa essence qui gagne en dans bagarre constitutionnel ça qui dit mise en cachet du président. Il faut que jodi am te ka connait clairement ta grand débat jodi a dimanche le mercredi débat. Mais est-ce que gon animation qui fait au niveau
public là au niveau pays là, sur cette question là. Non, mon y a l'église matin, y entré, demain va regarder les étoiles vivre. Et ben comme si c'est un bail qui intéresse monde pour le moment. Et c'est l'ambiance ça on va le faire. Ça c'est un premier point. Quand il y a un deuxième point, moi quoi pas intéressé. Non intéressé, c'est parce que y a gain on dit même sentiment avoir sous magasin, yo pensez que pas rien qu'a fait de ça. Oui, mais justement, eh ben que mon y aurait été. Si on pensait que son plaisanterie va le faire que suspendre, que pas faire séance yo. Que honnêtement décider que bah ça pas fait, nous pas le font madiga, li pas nécessaire pour nous prendre la rue masqué pour nous faire plaisanterie. Parce son bail d'importance, son bail sérieux que lui. Moun pas jouer à des bagailles extrêmement importants. Mais cependant, ou en question politique ou sur terrain politique, mais pas connait qui ça animé majorité député yo, dans tête yo, pas comme ça mani qui animé yo, mais qui sentiment yo je dis. D'autant plus en fin de mandat. Est-ce que vous voulez faire un coup d'éclat? Est-ce que vous voulez plus régler? Mais coup d'éclat, ça, s'il fait, il a fait, non pas son base correcte de approche démocratique de, on a fait de mise en accusation, il a fait son base que m'bavle, monsieur, parce que monsieur, il pas servi avec nous encore, ou bien gros problème avec elle, c'est pas ça le problème, n'aille. Est-ce que, effectivement, il a documenté que la constitution violée par le président de la République? Faut venir avec une argumentation solide qui prouve que, effectivement, il y a ça. Et qu'on y a, est-ce que le processus ça gagne pour moun yotande l'autre moun vin dans le parlement vin déposer sur la question de sa constitutionnel à sa pas constitutionnel? Je pense que c'est un prochain intéressant débat. Ça dans son débat que tu as supposé prendre 15-22 jours ou mois la question de cette mise en accusation. Il n'y a pas qu'à faire tomber qu'il est en séance à 8h du matin, il commence et puis à 11h du soir ou bien à 10h du soir, on fait noir, il a voté pour contre et il finit. Il n'y a pas qu'à comme ça. D'autant plus que M. le sénateur Dumont, pour nous répéter, il n'a pas eu le lien au commencement. C'est son radio qui t'a parlé. Il explique qu'il y a au moins 4 raisons qui font pour mettre le président en accusation. Il rappelle le bail de démalogue. Il rappelle le bail qui est mercenaire. Il rappelle, on a fait le titre. Et usurpation de titre. Et puis, il y a un quatrième qui rappelle, par contre, ça lié. Mais, bagaille ça, il n'y a pas nécessairement 4 bagailles de bail constitution. De violation de constitution, les plus semblant bagaille de bagaille malhonnête. Bagaille malhonnête, beaucoup plus, vous comprenez? Donc, là, oui, avec le quatrième point pour me rappeler bien, c'est question Petro-Caribé, il a accusé l'affaire Petro-Caribé. Bon, écoute, c'est 4 bagailles ça, il a bien débattu. Mais est-ce que il fait partie de l'accusation sur la question de la violation de la constitution? Donc, le débat du 7, pour moi-même, mettait dans une situation que je ne sais pas. Et à la limite, nous presque réalisé que le pape baille rien. Elle quand même mettait en situation que vous renforcez le pouvoir, parce que s'il sortit dans ça, que vous faites un vote, vous reconnaissez que le pape viole les constitutions, mais ils sont bon monde. Quand on crème un garçon comme ça, et puis vous équipe bêtiseur a dit que il viole les constitutions. Mais majorité qui recevra votre peuple là, qui démocratiquement élu, qui prête ça à voter, vous purifiez. Mais le ça. Deuxième séance pour faire que les séances sont avec gouvernement, son bail, on est à la poursuite là bien. Pas qu'il y a un problème. Nous sommes convenus que M. Gagne toute autorité morale, politique et éthique pour diriger le pays. Eh bien, je dis, le maître m'a dit, pays, tout bail normal, pas qu'un problème encore. Et c'est cette normalité que séance a ramené à cette normalité-là. Parce que le gouvernement a essayé, ben, on montre que via normal, pas de problème. C'est le cas de ça, dit, constitution prévoit, le gouvernement, président prévoit. Il écrit son lettre dans ma amiralde, quand il explique dans la lettre là, que si on bat le gouvernement, si le pays a bat le gouvernement, le pays a le débloquer, il prend le marché, prend le charge à l'argent. Et a fait charge à l'argent, il faut nous rappeler, nous, en 1915 encore, parce que nous, dans la période, en juillet, 28 juillet, en 1915, même situation, hein. Américain a venu, il a dit à faire l'argent, son mari comme si nous prenons venir demain matin. Hein? Journal Les Nouvelles, il s'appelle écrit à l'époque que l'usine a venu fait, il a venu faire l'usine Campèche, il a venu faire l'usine SIC, il ne sait pas, il va faire l'usine. Tout qui a été bacaillonnet, tout gros millionnaire de le monde, pral vini. Lio Gaya et bah ou série de blanc de bac particulièrement sur ma l'état autoritaire en bas et tout ça. Autoritaire. Autoritaire en 16-17. Il dit bah ça vous qui j'ai annoncé que pour le développer pays tellement pas gagner l'argent. Donc la question que pour gagner l'argent pays à tout temps, c'est toujours menace à gain. Nous avons 150 millions de dollars, même des monde très bien pensant,
a réfléchi, oh, mais si député ont voté par ça, à quoi ça, il est bon pour nous, mais qui ça prend le bon pour nous, pendant que nous prenons 4 milliards et quelques, yo gaspillé li, et puis qu'on explique que 150 millions là, si on signe là vraiment, problème taux de change nous résoudre, problème d'investissement nous résoudre, Haïti prend le décoller, laisser pays à marcher, tiens, on sont tombés. Donc, attention, attention, cette séance du 7, lui poser un pile d'interrogation et font monde qui introduit lui sérieusement préparé et au compte ça a fait et son débat qui pour faire pendant une longue période pour monde clair sur qui ça procédure, comment pour introduire, comment la fête et quelles sont les accusations et comment il pourra le faire pour yo rejeter ou bien accepter. Daniel Jean-Louis, son député a annoncé que il a organisé la séance de la mise en accusation du président mercredi. Et qui prend le 7 août qui a venu là, c'est une bagaille qui prend le fait avec le sens du sérieux, à votre avis? Bon, il n'a pas commencé avec sérieux. Ça, c'est... il n'a pas commencé avec sérieux, donc il n'a pas gagné évidence que le voile ni continuer ni terminer avec sérieux. Et moi-même, et comme un citoyen et comme contribuable dans le pays, yamba, c'est que chambre députée a ce chantage à faire par le président ou le président Kabayo, l'argent avec jury, avec motocyclette. Et parce que son baguette se développe, et c'est dommage que moi-même, comme un monde très éduqué dans le pays, que moi représenté par des mondes qui sous-éduqués, qui n'ont pas aucun sens du développement à la caillou. Parce que nous avons regardé dernièrement ça qui s'est passé avec le premier ministre. Ok? On a regardé la forme de démagogie ça, avec le premier ministre. On a dit, j'aime débuter, même j'aime débuter ça. Yo kouri yo fonse en champ pour elle pour retirer et premier ministre. Gen, alors moi m'pa rive justifier ça. Il y a un pile monde qui dit que c'est du riz avec cob avec motocyclette yo ba yo pour yo faire. M'pa pense que chambre député a gen ken intention sérieuse pour yo et voye président aller. M'pense que y a blackmail monsieur. On va son monsieur Baikob, et l'el Baikob là, il va le ballon vote de confiance, et puis tout bas, il va le recommencer dans le genre, parce que le président n'est pas préoccupé. Regardez le président Trump, tu as déjà parlé de président Trump. Monsieur très préoccupé. Non, il n'est pas préoccupé, c'est peut-être fort de la majorité que le gagne dans le Parlement. Quelle majorité? Son grand silence, mais quelle majorité? Parce que c'est pas comme aux États-Unis, où il y a des barrières claires, qui ont une limitation claire, qui définit, ok, moi-même, on sénateur de gauche, républicain et démocrate, ou bien de droite, me voter majoritairement, à moins que je me bagaille essentiellement contre, ça me voter dans l'autre sens-là. Mais ici, tout le monde, on mord seulement de partis politiques en dans le Sénat avec son député, et que vous votez dans la direction que vous jouez. Selon Jean Viré. Et de ce fait, il y a une pile fois où vous courez à faire mon bloc, après ça, bloc la crasé, comme la virer dans l'autre sens, vous courez à faire mon autre bloc. Mais ça permet quand même que vous majorité, que vous une majorité que vous cherchez. Mais majorité à son raquette lié, c'est ça que m'avait expliqué là. Pas une majorité, vrai. Il formait son base de raquette. Et ça, on dit, on réfléchit, non. Mais pourquoi ça pour députer? T'as décidé. Courir. Non, maintenant, tu arrives, on va y voter. Et puis, pourquoi ça députer ça? Ou pas une majorité? Mais pourquoi ça pour députer? T'as décidé, vous, le président, ça allait là. Pour suicider des gens. Mais quand tu prends ça là, où est le projet? Où est le projet? Le réfléchi, bah, ça va aller plus loin. Mais où est le projet? Pour faire quoi? Non, son séance, qui pour moi, pral virer dans le sens de purifier le président. Et purifier tête surtout, eux-mêmes. Bon, parce que j'ai besoin de l'élection, eux-mêmes. Même dans l'autre bagaille, t'es entendu? Récemment, quoi, après, les gens ont fait une séance. Les gens ont été réunis, ils ont voté une loi sur le bagaille salaire minimum. Oui. Bon, moi je pense que Chamza a dénué de toute forme de logique. Et bien ça, le minimum là, qui était supposé à l'ancienne, pratiquement pas jamais à l'ancienne. Il y a même qui était introduit là, il n'y a pas jamais dit rien sur ça. Et le Sénat dit pas jamais voyer le bali. Il va jamais recevoir lui. Il va jamais recevoir. Bon, alors clairement, moi je pas pensé que nous sous la bonne direction. Nous pas sous la bonne direction. Ok? Bon, pour plus honnêtement, ça m'a dit,
OK. Moi c'est toute chambre ça Sénat avec chambre des députés si au pas là encore parce que son paquet fauteur de troubles yo OK son paquet mercenaire économique yo en dedans donc il y a exception il y a exception dans l'ensemble mais exception moi même moi m'a payé des sénateurs et des députés pour renouveler la constitution yo pas fait ça m'pa distraire nos paquet ba politique même si gagnons nous deux connaître là-dedans that's fine moi m'a payé des sénateurs me paye très cher dans taxes sous business moi sous vie privée moi sous travail moi on ensemble de sénateurs et députés pour renouveler identifier faille qui gagne dans la constitution hein, renouveler les lois prendre de bonnes lois sur des décisions de politique fiscale et monétaire renouveler le code du commerce là renouveler le code de destruction criminelle là interpeller le gouvernement OK parce que pour le moment un paquet de bagailles qui urgent qui pas réglé là et c'est ça que fait nous prochaine génération a pis mal que génération qui se passe parce que un ensemble de problèmes qui accumulé que n'a transité vers yo comme dans le docteur Lucien Élisée. Bon, moi j'attendais avec un pile attention Daniel et puis Ted par rapport à causer ça. Même quoi que notre tête, nous avons un exercice qui est extrêmement difficile. Nous avons cherché à interpréter le comportement de monde qui appartenait à une société secrète, alors que Kodjo n'a pas gagné. Et c'est ça qui mène nous dans ça, cette séance, que les séances de mise en accusation du président républicain. D'ailleurs, moi je pense que c'est un nouveau marché qui est ouvert. Nouveau marché ça qui est ouvert hein, pour qui ça qui vous permettre que, par exemple, le président de la République, avec un parlement, avec un branche dans le parlement qui est en fin de mandat, qui certainement gagne sa connerie des aspirations. D'ailleurs, pour qui ça, de monde qui entend nous, depuis plus que 3 ou 4 ans, et que son matin comme ça qu'il a décidé de se séparer, et puis il a fait de la communication politicienne, il a dit, voilà, on va le mettre. OK, le président de la République en accusation. Nous allons mettre l'ordre. Nous allons mettre l'ordre. Pas une génération spontanée. La gare n'a pas. Nous allons mettre l'ordre quand on seul monde parmi eux. Donc, est-ce que son entente que vous êtes en avec le président de la République là, je ne sais pas. Mais de toute façon, pour procurer la tête dans la pression, et Jean, Télébouche, Télédiol, lui-même, lui rapporter, c'est que vous entente et au même mando. Est-ce que le président de la République là n'a pas participé dans déterminer qui date séance a fait? Parce que son chef de cabinet dit qu'il n'a pas inquiété. Et pas oublier quand même que dans le propos qui rapportait, OK, dans la nouvelle, c'est que il y a un député qui est en opposition, il rapportait que séance, que tu n'as pas séance. Mais ma proposition, conducteur, est-ce que c'est parce que vous avez garanti que un grand nombre de députés qui a causé yo? Et bon, tout à fait, mais pas même à qui a cause, yo. C'est même Mounio. À qui cause? À qui cause? Oui. Est-ce que son cause, c'est ça que tu as l'air, dont si j'ai un sourire, le m'a demandé, est-ce que c'est un sale sérieux? C'est sûr que le pape sérieux pour nous, mais l'ap sérieux pour eux, parce qu'il y a des objectifs. Et c'est ça, c'est le contraire qui se produit. Et ça t'a étonnement pire. Oui, mais le contraire, comment? Dire, et le contraire, je pas quoi dans miracle. Et sous ta réglé comme ça, c'est l'air avant ta pire qui était. Parce que la pipe a bon pour nous. Ah, pas fait ça donc. Non, c'est vrai. Ça veut dire, bon, en tout cas, dans tant que Mounsa yo là au pouvoir, donc yo montre que yo pas travail dans l'intérêt. Yo montre que yo pas travail dans l'intérêt population. Sinon, m'pas ta pensé de 40 goud, qui était déjà très grave, à 94 goud, je ne veux dire. Si 4 de crédit non même non, même les balances à red, il peut permettre que les secteurs bancaires, ok, qui en quelque sorte hein, ces prolongements, puisque c'est groupe monde qui gagne l'argent, qui banon, qui fait nos cadeaux, forme pouvoir ça, et après toute décision qu'il a prise, il prend dans ce sens ça. Il peut avoir 4,4%, ok, alors que salaire, c'est baissé qu'il a baissé. Donc ça veut dire c'est deux mondes qui ont une mission claire. Pour yon goumen, pour yon requijan, au fur et à mesure, y a mettez dans des conditions qui sont beaucoup plus difficiles. Donc, en ce sens, moun sa yo,
yo pas de inspirer nos pitié puisque yo pas travail pour nous, c'est de monde qui a touché l'argent nous sans que service que n'a tant dans meilleur retour que yo pas produit. Et qui t'aime clairement, chaque député a une valeur. Et dans le moment que nous voulons marcher ça lui-même les ouvriers, chaque député, c'est comme si valeur nèg l'envie d'augmenter. OK, ça permet que il y a des bagages que l'a négocié. Et pas oublier quand même dans contexte mise en accusation, au-delà de paroles, l'autre député qui n'en qui relativement dans opposition, mais opposition par rapport à qui ça me pas connaître, est-ce que c'est opposition à monsieur Jouvenel, monsieur Moïse, ou bien est-ce que c'est opposition à mode système ça qui produit ça qu'une guerre. Il t'a capé intéressant si c'est ton opposition à propre système ça hein? Et que je ne vous dis dans la catégorie nègre que n'a brûlé de leaders spontanés qui a émergé en dans système ça pour changer ça de nègre qui participait OK non permettre nous aboutir à ça que nous là t'a prendre conscience au matin pour dire que a faire autrement mais on va regarder c'est même des manchots puis faut exercer de nègre autant dès que tu participer dans tel gouvernement qui te mettait tel ministre nègre là les gars gain de grief personnel par rapport à monde qui a distribué faveur pour journée aujourd'hui, mais pas de problème qui intéresse les pays hein, fondamentalement. Et gardez pas oublier quand même que mise en accusation en fait, non moment côté que le gouvernement qui très décrié du point de vue moral, ok auprès de population qui ont mis en place, parce que nous toute la journée aujourd'hui, n'a questionné nous sur qui ça, qui capacité que nous avons, même si ce n'est pas un débat qui fondamentalement moi-même intéressé, parce que ça qui intéresse, je dis, c'est parce que je dis, président, il y a deux problèmes, ok, que le pardon continue de diriger. Oui, très bien, et tu le permets, mais regardez le timing, il y a fait séance 7 là, mise en accusation avant de faire ratification. Bon, on dit séance 7 là, tu as participé de un bagage que décidé que le président a devant le Sénat pour la juger. Et que les ça faut le démettre de fonction. Ouais. Faut pour la juger. Mais qu'il y a ça qui a remplacé là là. Où est le projet politique? Qui remplace le président de la République? Pas un premier ministre. Et là, constitutionnellement, c'est premier ministre pour l'enjeu démocratique formel que la guerre devant comme si la réalité a, c'est pour nous suivre là, mais qui va le remplacer? Mais confusion programmée. Oui, ça veut dire qui est-ce qui va le remplacer? Ça veut dire que dans la démarche là même, j'ai fait là, si vous ne faites attention, vous avez dévoyé dans des bagages qui ne sont pas rapport à la réglée même. Et ce sont des importants. Enfin, c'est des secrets que vous avez. Vous avez un code, vous avez un genre, vous ne marchez pas d'eau, vous êtes tête en bas, vous avez des bagages comme ça, vous faites quoi pas qu'on est. Vous comprenez? Vous faites quoi des deux? Vous comprenez pas que vous ne faites pas qu'on est. Donc, c'est effectivement, même moi, c'est décodé. Mais regardez, schématiquement, ça représente, là, elle pose un problème grave. Alors, tout à l'heure, Daniel Tapay, il doit faire du mercenaire, bah, ça. Et depuis qu'on y a bah, l'autre, il est entrepreneur politique. Il est entrepreneur politique. Et moi, ça me met en plus, c'est justement dans le livre que monsieur a écrit. Tête syndique. Tête syndique. Tête entrepreneur politique. Tête syndique. Regardez, moi-même, je suis entrepreneur. Je ne suis pas entrepreneur politique, c'est des racketeurs politiques. Parce que moi-même, je m'investis capital pour me faire un profit, pour me vendre un service. Ça, c'est un entrepreneur. Mais ça, c'est des racketeurs, en fait. Nous, business, des fois, nous-mêmes dans le pays, nous confondons business avec racket. Ça, c'est des racketeurs qui ont fait un série de bagages. Parce qu'à la fin de la journée, ça n'a pas cherché. C'est des résultats. Ou pas, des résultats. Toute manœuvre politique, tout mouvement, dépenser l'argent, tout ça, c'est gagote, c'est tout ça fait amener nous de plus en plus vers le suicide complet. Parce que le suicide, ça se fait maintenant. Nous autres, par exemple, tout le monde qui a mouru, toute annulation, paquet côté, pas grand rivière qui est en place dans le pays, par exemple. Parlons de l'aspect physique même du pays. Qui est très déboisé par une rivière traitement plastique, par un centre de traitement, par un. Moun yo fait route, mais mes goûts yo pas passé en bas route là. Ok? Tout l'eau passé sur route là, décapé asphalte yo. Ok? So, pour le moment, ces résultats n'ont pas cherché. Faut payer une nouvelle constitution neuve. Et constitution ça, faut délimiter pouvoir parlement, pouvoir exécutif là. Non pas bail parlementaire. Ok? Immunité encore. Gon paquet de bagaille qui méritait parler, qui méritait fête. Et c'est au même Napton, c'est au même Napton, tout le monde Napton. Docteur Élisée, mission touchée à fini. Placez pour nous le dernier mot. Bon, dernier mot à moi, Daniel, insister surtout sur ça que l'entrepreneuriat. Bon, c'est son bon bagaille. Mais
on dit en fait peu tôt parce que notre président est un entrepreneur à succès. Et c'est ça qui mène dans tête pays. Mais quelle entreprise l'était fait à succès? Mais c'est ça que j'ai décrélaté et constaté que pays ne peut pas marcher vers les succès. Bon, moi, je crois que je dis, nous sommes abordés des thèmes qui sont extrêmement intéressants et que la société en général a intérêt à pencher sous cause de ça pour que les gens aient un redressement. Mais pas oublier quand même que les gens toujours aimaient voter les gens qui semblaient avec eux. Ça veut dire si nous-mêmes, citoyens qui sont conscients de ça, il faut que nous marchions vers Mounio et en plus offrir Mounio possibilité qui vous permettent d'éduquer tête chose. Parce que là, on paye, il y a Madame Aniga pour choisir et il y a Michel Martelly, ou elle pose même sous Michel Martelly. Donc, il y a de quoi s'inquiéter. Et comme résultat, Livin Banou, il y a un qui plus mal passé en termes de route qui pour permettre nous développer pays ça au point que il a même tenté fait d'accepter que bandit qu'on légal donc faut qu'on accepte le et je ne vous dis on que il y a plus gang dans pays hein, que sous tout régime qui t'est passé et si ne pas prend les décisions qui s'imposent ça gagne pour venir plus mal en dans pays ça parce que même l'espoir n'est pas qu'à insuffler à la génération qui a monté.